Salut à tous et à toutes, c'est Nurgle, heureux de vous retrouver pour une nouvelle série sur Daisy Mode. Et pas n'importe quel mode, car c'est Daisy, tout court. Nous sommes sur le Vanilla. Donc j'ai été faire un petit tour, ça faisait très longtemps que je voulais m'y essayer, tout simplement. Et je l'ai essayé et je suis tombé carrément amoureux. Car voilà, c'est le tout premier DayZ, si je me trompe pas. Si je me trompe, dites-moi le dans les commentaires. Mais par contre, c'est de la survie à l'état pur, car on trouve pas grand chose sur les côtes. On trouve que des armes de base. Et en fait, le but, c'est tout simplement de monter dans le nord pour pouvoir s'équiper et trouver du bon stuff. Sachant que je crois que les maladies sont implémentées dans le mode, donc on peut tomber malade, mais bon, ça dans les autres modes aussi, on peut tomber malade aussi. Mais je pense que celui-là, il est un peu plus poussé. Donc voilà, je suis sur un serveur vraiment full. On est 48, je crois. Donc je peux vous dire qu'il est vraiment pas mal. Donc voilà, nous sommes à Electro. Et je vais vous faire voir mon stuff. Ce qui est intéressant, voilà. On commence avec fusée éclairante et deux bandages. Après, on a absolument rien du tout. On débute à poil, c'est le cas de le dire. Donc voilà. Donc l'objectif, ça va être de se stuffer. Je pense que cet épisode va être un peu long. Comme tous les épisodes de début de série. Je vais essayer de vous faire ça. Par contre aussi, il y a énormément de zombies. Je pense que... On va se mettre en canal direct. Je pense que... Après, j'ai jamais essayé le mode au tout début. Mais j'ai l'impression qu'ils ont mis beaucoup de zombies. Et c'est très dur de leur échapper. Surtout quand on n'a rien. C'est vraiment hardcore. Donc voilà. Par contre, ce que j'adore dans ce mode, c'est que il y a des barricades. Il y a des barricades sur les routes. C'est vraiment l'apocalypse. Vraiment l'apocalypse quoi. Voilà, enfin la mer on l'entend plus. Car me casser les oreilles. Donc voilà, c'est vraiment un retour aux sources que je me devais tout simplement d'essayer. Tout est vide, ok, sympa. Et voilà. Donc il fallait que je l'essaye et je me suis dit, je l'ai trouvé super bien. Et je me suis dit, il faut que je fasse une saison dessus. Moi c'était presque obligé quoi. Donc qu'est-ce que c'est ça, 1911, ok, je prends. Oh, Lee Enfield. Donc sachant qu'on trouvera pas du gros stuff sur les côtes, on va trouver surtout Lee Enfield. Oh, mais j'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance pour débuter. On va trouver Winchester, Barrel Shotgun, Lee Enfield. Ces choses-là, sachant que sur les routes, des fois, on peut tomber sur des espèces de camps de mise en quarantaine où les joueurs peuvent se stuffer un peu plus, où on peut trouver du matériel médical surtout. Et peut-être des armes, je sais pas, j'ai pas trop encore trop exploré les possibilités qu'on pouvait avoir. Donc voilà, ça va être aussi une découverte. On va découvrir tout ça ensemble, même si je sais qu'il y en a qui connaissent le Daisy Vanilla. Il y a des poules. Oh, dame. Qu'est-ce que c'est ce flingue? Ah, un Mosin. Je vais garder mon Lee Enfield. Donc ils ont mis des Mosin. Ok. Un cadenas par terre. Ok.
Donc ils ont rajouté pas mal d'armes, hein, on dirait. Par contre, ouais, les zombies sont vraiment, vraiment, vraiment... présents, quoi. Ils sont vraiment présents et des fois, c'est un peu chaud. Allez, viens là. J'ai pas envie de tirer en plus. Ils vont sortir. Est-ce qu'ils vont sortir? Si je patiente, ouais. Ok. Et je vais courir pour sortir. Ok. Impeccable. J'ai pris une beigne, mais sans gravité. Ok. Donc on va s'enfoncer dans l'électro. Sachant que... on trouve pas mal de monde. J'ai déjà testé tout ça. Des gens friendly, d'autres pas. Donc... la dernière partie que j'ai faite sur ce mode là, j'ai aidé un bandit, quelque chose de très rare. Il était sur l'hôpital, il avait les jambes cassées, il saignait comme un fou et ben, je l'ai soigné. Et il est parti de son côté en me disant que s'il me recroisait dans le jeu, il me tuerait pas. Ok. Donc déjà, il y a des mouches. Donc ça signifie qu'il y a des cadavres. Du maïs. Il y a une Winchester là. Je sais que les Winchester, c'est très puissant. Mais je préfère mon Lienfield. Ça, vous le savez si vous suivez mes aventures. Que... le Lee Enfield, c'est vraiment... j'ai entendu une aggro. Le mec mort là. Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, il a un beau sac à dos. On va le prendre. Merci mon gars, ton malheur a fait mon bonheur. Oula, un petit freeze. Donc on va se baser sur l'objectif de 3 vies. Si ça va trop vite, je referai une saison, peut-être, je sais pas. Mais on va se baser sur ça déjà. Les zombies me saoulent un peu là. Oh putain. Oh putain. Y'a un mec. Ok. Hey man, friendly, friendly. Friendly, don't shoot me, please. Can you hear me? Déjà ça commence fort. Fuck. C'est pas lui. Il essaye de me brain. J'ai peur de l'avoir dans le dos. On va faire une virgule. On va essayer de l'avoir autrement. Donc il n'y a pas que des joueurs friendly, ça il faut le savoir. Daisy mode c'est aussi PVP avant tout. Fort, hein.
On va pas trop rester statique. Je sais pas où il est. J'entends marcher. Ah non, c'est le zombie. Ok. Ok. Le mec, il avait un CZ. Donc il a mis un coup de feu, hein. Le mec, si je le vois, je le tue. Je veux pas tirer parce que je veux pas me faire entendre. En fait. Il y a des zombies partout. J'espère que tu vas pas me voir. Ok. Un zombie là-haut. Il y a des mouches à côté là, donc il doit avoir un cadavre. Ah, je le vois. Je sais où il est. Voilà, mon ami. T'as voulu me tuer. J'ai négocié avec toi. T'as pas voulu négocier. Je t'ai tué. Il me saoule. On va les tuer.
Ouais, y a du monde là. Je vais pas pouvoir le looter. Non, je vais pas pouvoir le looter. Merde. J'ai loupé. C'est la folie. Oh, je vais pas prendre de risque, hein. Il a vite fait. Ok. Ça m'intéresse. Ah ouais, mais c'est du ACP qu'il faut. C'est du 40. Non, c'est quoi? C'est Z. Ok. Il y a un autre survivant là-bas. Mais c'est un Bambi, donc je vais pas le tuer. Je vais le laisser tranquille. On va aller sur la Fire Station. C'est un Bambi, je vais le laisser tranquille. J'ai vu qu'il avait pas du tout de stuff. Peut-être c'est notre ami, hein, qui revient. Par contre, ouais, j'ai laissé les balles du Lanefield, j'aurais dû les prendre en fait. Où il a trouvé une arme. Une AK. Ouais, ça on s'en fout. Non, c'est pas un AK, c'est un SA-58. À mon avis, il tire sur les zombies, on va le laisser tirer. On va prendre de la hauteur. Là par contre ça brûle de mouche. Ouais, il est là-bas. Ouais, il est là-bas. C'est un bandit.
on va voir ce qu'il fait. Donc il y a un Bambi et un Bandit. Allez, là. Ok. Allez, on se barre de là. J'ai qu'une balle. Hein. Mais maintenant, il va falloir trouver du stuff. Et très vite. Ok. Donc on va aller voir ce qu'on peut trouver là. Non, là il n'y aura rien, je le sais. On va rester en lisière de forêt pour notre sécurité. Donc j'ai tué le bandit, en fait, même moi en étant bandit, le premier kill en fait c'est que le mec, j'ai essayé de communiquer avec lui, il a essayé de me tuer, donc je l'ai tué. Et le bandit, s'il est bandit, c'est que quand il doit avoir un joueur, il doit tirer aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai tué. Après, si je vois un fresh spawn, vous avez vu tout à l'heure, si je vois qu'il a rien, je ne le tuerai pas parce que ça sert à rien, c'est des kills gratuits et ça a aucun intérêt. Donc voilà, je suis un bandit, sachant que maintenant les héros vont vouloir ma peau, donc je serai plutôt censé de tirer sur tout le monde, sur tout ce qui bouge. Voilà. Si je croise un autre bandit, on va voir ce qui se passe. Si le gars me tire dessus, mais je pense que entre bandits, à part être en team, je pense qu'il n'y a pas de négociation possible en fait. Donc je sais qu'il y a un camp là. Je sais qu'il y a un camp parce que je suis déjà venu. Donc on va faire ce camp et enfin, c'est un petit camp, hein. C'est juste un camp où on trouve un peu de médic dedans. Peut-être on peut trouver des armes. Et après, ben, je vous laisserai là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc j'ai croisé pas mal de monde quand je suis venu. Le camp, il se trouve là-bas. Donc voilà, le mode, je le kiffe vraiment, mais vraiment, quoi. C'est vraiment ouf, quoi. Daisy Vanilla. Donc là, je vous garde, parce que vous savez très bien que les premiers épisodes sont toujours assez longs. J'aime pas faire des coupures sur le premier épisode. Ça me permet de tout vous expliquer, d'être le plus voilà, de vivre mon début d'aventure ensemble. Ah, il y a un survivant. Il y a un survivant déjà sur place. C'est pas très bon. Ouais, il est là-bas. Ouh, il est armé lui. Il est armé, donc on va l'attendre. Dès qu'il sera pas trop loin, on va le down.
Il m'a vu, je crois. Fallait pas trop tourner, mon ami. Fallait pas trop tourner. Ça fait une erreur. Voilà, les zombies ont des pop autour de lui. Donc il est mort. Et on va le looter. Alors qu'est-ce qu'il avait? Oh, M4. Ok. On va pas y laisser les balles. Je pense que... Après, je sais pas comment trop ça sert ce système d'inventaire là. C'est où mes stamina? Comme ça, si on a du corps à corps à faire, il a trouvé une M4, donc à mon avis, il l'a trouvé dans le camp, il l'a pas trouvé ailleurs. On va aller faire le camp. Et y a rien. Ok. Ok. Donc on va aller se mettre en lisière de forêt. Et moi je vais vous laisser là. Donc clairement, hein, ce joueur aussi pouvait très bien se défendre. C'est pour ça que je l'ai abattu. Sachant que j'avais le skin zombie. Le skin bandit, et il aurait pas hésité à me tuer. Hein. Ça, c'était sûr et certain. Donc lui, il va me saouler là. On va essayer de le prendre un peu loin pour le tuer. Voilà. Est-ce que je saigne? Non. Ok, on va aller se mettre dans la grange. Oh, il y a un bandit là à mort. Ok. On va pas se mettre là alors. Il y a les zombies en plus. Ça a frité ici. Hein.
Ok, on va se mettre un peu en retrait. Voilà. Je vais m'assurer que personne m'a suivi. Ok. Donc voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On est un bandit, je pense que ça va être le titre de ma vidéo. Donc voilà, on a fait 3 kills déjà. Donc, et puis le serveur il est très très rempli, donc automatiquement on croise toujours du monde. Donc je suis un bandit jusqu'à que je meure, hein. Après peut-être je vais devenir un héros, je sais pas. Mais pour l'instant je suis un zombie, je vais y arriver. Un bandit. Et je vais rester sur cette lignée-là, pour cette vie-là. Je vais rester bandit jusqu'au bout. Après, comme je vous ai dit, je ne tuerai pas les fresh spawn, quoi. Parce que ça sert à rien. C'est des kills gratuits, ils ont rien quand ils spawnent. Et voilà, donc j'aviserai si c'est une menace ou pas. Et je ferai en sorte de tuer ou pas tuer. Donc voilà, j'espère encore une fois que toutes ces séries vous plaisent. En tout cas, moi, je prends un réel pied à vous faire toutes ces séries. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Nurgle pour de nouvelles aventures sur DayZ Vanilla. Ciao ciao à tous.